Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo. Comment éviter les accidents dans nos axes routiers? Ce message va s'adresser plus particulièrement à certains pays africains où nous connaissons l'état des routes qui font chaque année des milliers de morts. Alors, comment on peut faire pour éviter les accidents sur nos routes? Ça ne sera pas de la pub, mais plutôt une suggestion à nos autorités en charge de transport. Les décideurs tels que les ministres des transports ou bien les chefs d'agence doivent utiliser cet appareil. Il s'agit en fait du FMX. Donc le FMX est un appareil qui permet de limiter les vitesses des véhicules. Alors, il a un rôle très efficace pour empêcher à certains individus d'enfreindre le code de la route. Pour cela, il peut aussi, dans une certaine mesure, nous aider à limiter les accidents dans nos axes routiers. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va configurer notre FMX avec une vitesse limite. Et lorsque le véhicule va atteindre cette vitesse limite et vouloir la dépasser, le FMX va limiter le carburant et l'air qui vont dans le moteur. Et cela aura pour effet direct de limiter la vitesse de notre véhicule. Alors, vous verrez que si on applique ce système au cas de transport tels que les longs bus, ça va éviter beaucoup d'accidents sur nos axes routiers. Cet appareil a déjà été imposé au Kenya et est aujourd'hui en mode de test à Dubaï. Imaginez-vous un pays tel que Dubaï où les routes sont assez vastes, mais ils prennent quand même des précautions pour limiter les vitesses de certains véhicules, plus particulièrement les voitures de transport de personnel. Ça veut dire que il y a vraiment la conscience. Et j'appelle donc les autorités en charge de transport dans nos pays d'essayer vraiment de mettre cela en pratique, qu'on teste cet appareil pour voir son effet sur les accidents routiers. J'ai eu l'idée de parler de cet appareil dans une de mes vidéos parce que j'ai vu son efficacité à Dubaï dans notre voiture de transport et c'est très intéressant. Alors, franchement, que les chefs d'agence de transport prennent un peu le risque d'acheter cet appareil et de les mettre dans leur moteur. Cela peut sauver énormément de vies en Afrique. Comme vous pouvez le voir, c'est un appareil très miniaturisé qui se monte juste en contact avec le moteur et le tout sera le concessionnaire peut vous donner le schéma de montage. Alors, n'hésitons pas à essayer de le faire dans nos pays différents. Alors, j'espère que notre vidéo a été instructive et que les personnes en charge du transport vont prendre cela au sérieux et d'essayer de tester cet appareil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout de liker la vidéo et de la partager au maximum pour que les personnes visées soient touchées. Merci et à bientôt.